Il y a plusieurs modèles différents sur le site. Là, je vous montre les modèles avec pression lessive. Celles-ci, elles sont clairement canon. C'est ça qui est bien, c'est que vous avez des petites dentelles. Elles sont en coton, donc il y a plusieurs couches de coton à l'intérieur qui va du début de la culotte jusqu'à la fin. Donc protection 100%. Les filles, vous avez vraiment pas de crainte à avoir. Elles sont très agréables à porter, pas de risque de choc toxique. Écologique, voilà, moi je jongle entre, bon j'ai toute la collection bien sûr, je collabore avec la marque, mais à savoir que pendant mes règles, je vais utiliser, on va dire 5 à 6 fois donc les culottes. Je jongle clairement avec celles en machine à laver et celles en propre. Enfin bref, c'est supra pratique et elles sont canon. Donc vous avez sûrement entendu parler du choc toxique qui est très mauvais pour la santé à cause de tout ce qui est tampon. Là, pas de risque de choc toxique forcément et surtout une grosse économie car les culottes, vous pouvez les garder 4 à 5 ans. Pour toutes celles qui doutent encore de ces culottes, mais vous avez vraiment zéro doute à avoir, on va effectuer un petit crash test. Donc voici, j'ai versé de l'eau, à savoir qu'il n'y a pas d'odeur avec ces culottes. Donc là, ça va être absorbé et regardez derrière, pardon, zéro fuite. Donc en fait, vous pouvez être 100% en tranquillité avec les culottes menstruelles. Pas de risque de choc toxique, pas d'irritation à cause des serviettes hygiéniques ou économiques et vous pouvez les garder jusqu'à 5 ans. Non mais on est en fou rire avec Célia, le gosse m'a customisé le plaid. Non mais s'il vous plaît, j'ai des étiquettes sur mon plaid. Non mais c'est normal. Sérieux? Il m'a customisé mon plaid quoi. As-tu quelqu'un dans ta vie en ce moment? Aujourd'hui, j'ai personne dans ma vie. Non, j'ai un petit creux. Oh! C'est qui déjà? Je peux mourir pour toi. Waouh! Waouh! Greg n'a non, jamais Greg. Été mon mec. On a fait deux fois. Tu vois, par exemple, Issam, c'est quelqu'un que j'avais vraiment apprécié. Il rentre à Paris, on a essayé, même si ça n'a pas marché. Et pour moi, c'est plus une relation que par exemple la relation que j'ai avec Greg. As-tu déjà été en couple avec Ahmed Tai? Lorsque tu as voulu retirer tes injections aux lèvres, Oh my god. L'opération a mal tourné, ton visage est devenu très gonflé. Ça s'est passé pendant mon tournage. Arrête. Ah oui, c'était horrible.